Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous savez que moi, je n'aime pas l'injustice. Et je crois que si j'ai beaucoup risqué ma vie avec ce pouvoir moribond sortant, c'est parce que je n'aimais pas l'injustice. Non. Je suis d'abord un chrétien, né de nouveau. Et à ce titre, je n'accepte pas. Là, je porte une chemise blanche. Et on ne viendra pas me dire, de dire aux gens que je porte une chemise noire. Jamais. Je ne le dirai jamais. Quand je porte une chemise blanche, je dois dire aux gens que je porte une chemise blanche. Une blanche. Si je porte une chemise noire, je dis aux gens que je porte une chemise noire. Je ne rentrerai jamais dans le faux. Dans le faux. Parce que je veux faire plaisir ou bien je veux me faire entendre. Alors, ce dernier rebondissement sur l'affaire Bla, on nous dit que Bla a puisé de l'argent dans le compte privé d'Ali Bongo. Alors, si je comprends bien, qui poursuit Bla aujourd'hui? C'est Ali Bongo ou bien c'est la justice gabonaise? Parce que moi, ce que j'aurais souhaité, et voilà pourquoi il était important, depuis le premier procès, quand les avocats de Brice Lacouche Alianga et les avocats de Tony Ondomba, ils avaient appelé Ali Bongo à la barre. Ils avaient appelé Yann Koubdje à la barre. Ils avaient appelé qui encore là? Le directeur général du budget de l'époque, à la barre. Malheureusement, le tribunal n'a pas tenu compte. Le tribunal n'a pas tenu compte de cet appel où il fallait la présence d'Ali Bongo lui-même. Le dépositaire de ce compte, Yann Koubdje, qui était le TPG, qui recevait l'argent qui avait été déposé par Eramet ou bien Comilog, je ne sais pas quoi, et le directeur général du budget qui était là en charge du décaissement d'argent. Malheureusement, tout a été bloqué. Ils ont refusé de faire venir ces trois individus à la barre pour des raisons fallacieuses. Or, il se trouve aujourd'hui que Brice Lacouche Alianga est poursuivi, soi-disant, pour avoir mis la main dans le compte privé d'Ali Bongo. Alors, finalement, qu'on nous dise qui a porté plainte, réellement à Brice Lacouche Alianga, est-ce l'État gabonais, est-ce Sylvia Bongo, qui était la femme d'Ali Bongo, est-ce Nouredi Bongo, qui est l'enfant d'Ali Bongo, est-ce Ali Bongo lui-même? Est-ce Ali Bongo lui-même? Qu'on nous dise exactement. Parce que au lieu de fatiguer les gens, procès sur procès, un procès qui finalement, on ne comprend rien. Parce que qui a porté plainte à Brice Lacouche Alianga? Est-ce Ali Bongo? Est-ce sa femme? Est-ce son fils? Pour avoir mis la main sur leur compte privé. Parce qu'au lieu de distraire les gens au tribunal, parce que moi j'appelle ça une distraction, ou bien je ne sais pas, vous vous mettez en chaud, parce que vous savez que le conseil supérieur de la magistrature qui va arriver, il faut qu'on enlève tous les magistrats qui ont trempé dans les histoires des procédures judiciaires en faveur des Ali Bongo et autres. Tous ces magistrats-là doivent sauter. Il y a également, on a été informé qu'il y a des magistrats qui ont fait faire des faux certificats de nationalité à des étrangers moyennant de l'argent. Attends, on peut vendre son pays
pour de l'argent. On vend son pays à un étranger pour de l'argent. Parce qu'un étranger peut vous faire ça dans son pays. Un Libanais peut vous faire ça dans son pays. Un Béninois peut vous faire ça dans son pays. Un Togolais. Mais nous, on a eu des informations selon lesquelles beaucoup de magistrats... Vous savez, moi, j'ai été emmené avec les gars de la société civile aller filmer un problème foncier d'un terrain de 2 hectares dont un étranger, un sujet malien, qui a obtenu une fausse nationalité gabonaise. Et une fois que le gars et il était en complicité avec une gabonaise, une magistrate, parce qu'il devait se diviser ce terrain-là. Et on a fait à ce malien des faux certificats. On a fait à ce malien des faux certificats de nationalité pour qu'il vienne combattre. Et beaucoup d'étrangers là que vous voyez qui combattent avec les Gabonais sur les problèmes de terrain, c'est comme ça. Ils ont la plupart du temps, ils ont des faux certificats de nationalité. On leur fait des faux certificats de nationalité pour venir, puisque quand ils sont Gabonais, qu'ils soient Sénégalais, qu'ils soient Maliens, qu'ils soient, comment on appelle ça, Libanais, dès qu'il a le certificat de nationalité, il se prend pour un Gabonais de souche comme vous et moi. Et là, il peut venir vous arracher votre terrain. Et eux, ils connaissaient ça. Ils ont donné tous ces arguments-là aux étrangers. C'est à cause de ça que vous avez vu des étrangers arracher les terrains aux Gabonais ou se battre avec les Gabonais pour leur prendre leur terrain. Les magistrats sont derrière ça. Nous allons vous dénoncer. Parce qu'on a passé notre temps à dénoncer les hommes politiques. On a passé notre temps à dénoncer les forces de sécurité et de défense. Mais vous, on ne vous a jamais dénoncé. Or, vous êtes à l'origine de la grande pagaille, qui a été orchestrée dans ce pays. Vous êtes à l'origine de la grande pagaille. Comment se fait-il que le propriétaire du compte lui-même, il ne porte pas plainte? La femme du propriétaire de compte ne porte pas plainte. C'est maintenant que vous portez partie civile, vous portez plainte. Parce que dites-nous, si c'est Ali Bongo qui a porté plainte, qu'on a pris l'argent dans son compte, mais que cet Ali Bongo vienne s'expliquer et dire aux Gabonais, vous savez pourquoi on ne veut pas que ce dernier passe à là-bas? Parce que les Gabonais vont lui poser des questions. Comment vous avez fait pour avoir cet argent? Comment ces comptes étaient alimentés? Qui vous alimentait dans ces comptes? Et vous voyez bien que beaucoup de noms vont sortir. C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas que ce dernier se pointe. On préfère acculer Brice Lacruche à Lianga parce que c'est le moins cher. On préfère acculer Brice Lacruche à Lianga parce que Brice Lacruche à Lianga est déjà affaibli par la maladie. Et on le traîne dans les jeux. Brice a déjà payé. Le fait de l'avoir descendu, le fait de l'avoir mis en prison, le fait d'avoir subi tout ce qu'il a subi en prison, c'est déjà une forme de rabaissement de quelqu'un qui était en haut. Vous le mettez en prison. Et quand on entend tout ce qu'il a vécu en isolement pendant 5 ans d'isolement, sans voir sa femme, sans voir ses enfants, sans discuter avec les gens. Mais le gars, il sort de là avec des maladies. Quelqu'un qui était habitué, qui avait une certaine alimentation. Et subitement, son alimentation change.
C'est des petits morceaux de pain avec la sardine tous les jours. C'est des petits morceaux de pain tous les jours avec la sardine. Il avait l'eau jusqu'aux chevilles tous les jours. Il dormait dans l'eau. Il mangeait dans l'eau. Il pissait dans l'eau. Il faisait caca dans l'eau. Comment on ne peut pas tomber malade? Comment on ne peut pas tomber malade? Dormir dans l'eau. Tu es obligé de dormir assis parce que tu as l'eau jusqu'aux chevilles. Tu ne vas pas te coucher sur l'eau pour dormir. Tu es obligé de dormir assis. Quelqu'un a vécu ça pendant 4 ans. Et ces voyous-là, qu'on vient de mettre en prison, là, eux, ils ont les ventilateurs. Ils mangent 3 repas. Ce bandit de grand chemin, Jesse Edekoba, il paraît qu'il n'a même pas fait 2 mois en prison. Mais vous rendez mauvais service à ce gars-là. Ce gars-là doit être en prison. Vous rendez mauvais service. Il faut qu'il aille en prison. Parce que quand il va sortir de prison, il comprendra que la vie, c'est pas comme ça. Apprenons à être humble. Ne faisons pas du mal aux gens parce que nous sommes revêtus d'un certain pouvoir ou bien nous avons quelques positions. Bla a passé des moments difficiles en prison. Pendant 5 ans, tu es assis dans l'eau, tu pisses dans l'eau, tu manges dans l'eau. On vient, on te lance le petit morceau de pain avec la sardine. Si tu n'es pas habile, le morceau de pain et la sardine tombent dans l'eau. Mais quand tu as faim, tu fais comment? Puis tu es obligé de manger. Là où ce monsieur-là, il a plein de microbes dans son corps. Mais on ne le laisse pas le temps de se reposer, le temps de se faire une santé. Il a une santé physique. Il a physiquement, il est atteint. Mentalement, il est atteint. On ne le laisse pas. On ne le laisse pas bla. Respirer, essayer de prendre des forces. Essayez de prendre des forces. Après, maintenant, vous pouvez convoquer à la barre. Mais regardez. Les médecins lui demandent de récupérer, de prendre 20 kilos. Malheureusement, il ne peut pas prendre 20 kilos. Il tourne autour de 7-8 kilos. Depuis qu'il est sorti de prison, il a pu rattraper 7 kilos. Commencer les chimios parce qu'il est atteint d'un cancer. Parce que ces gens-là qui l'ont mis en prison, un matin, on devait se lever ici et on devait nous faire croire que non, il s'est suicidé en prison ou bien... Parce que, et ils étaient dans cette logique, ils étaient dans une logique où le gars, il devait se donner la mort. Il devait se donner... Et c'était ça leur truc. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a quand même résisté. Et les militaires, et on peut dire chapeau aux militaires, qui ont pris le pouvoir. Parce que voilà pourquoi j'ai dit aux Gabonais, nous devons remercier ces militaires pour beaucoup de choses, pas seulement pour Bis la Cruche et tous les autres. Non, pour beaucoup de choses. Imaginons un seul instant si ces gars-là étaient restés au pouvoir. Mais les Blancs ne seraient jamais sortis. Les Tony ne seraient jamais sortis. Les Tanassa ne seraient jamais sortis. Ce sont des Gabonais. Même si, à un moment donné, nous avons été diamétralement opposés, mais l'opposition, ce n'était pas la mort. Ce n'était pas vouloir la mort des uns et des autres. Moi, je suis désolé. Enfin, moi, dans mon entendement, je m'oppose à quelqu'un, je ne m'oppose pas à lui pour qu'il aille mourir. Non. Nous nous opposons
diamétralement en politique. Nous nous opposons diamétralement en politique. Mais cela ne veut pas dire que je rêve qu'on la batte, je rêve qu'il meure. Non, ce n'est pas ça mon truc. Imaginez un seul instant, si les militaires n'avaient pas pris le pouvoir. Mais ces gars-là seraient en train de couper. Et un matin, on allait lui dire non, Blas est mort en prison, il s'est tué, il a refusé de s'alimenter, machin. Or, ils ont tout fait pour rendre le gars maladif. Regarde, regarde, quand vous écoutez seulement ce que j'ai dit, quelqu'un dort dans l'eau, il mange dans l'eau, il pisse dans l'eau, il cabine dans l'eau, il dort dans l'eau. Vous pensez que on s'attend à quel résultat? À ce que le monsieur sort de là gros, le monsieur sort de là en forme, quelqu'un, il est comment on appelle ça? Il est en isolement pendant 5 ans. C'est-à-dire que tu es dans le noir pendant 5 ans. Tu vas sortir de là gros comment? Tu vas sortir de là en forme comment? Ils ont tout fait pour l'affaiblir physiquement et détruire son mental. Et c'est ce que la justice aussi essaie de vouloir continuer aujourd'hui. Parce que je ne sais pas pourquoi on s'empresse. Je ne sais pas pourquoi on s'empresse des procès de ces gens-là qui sont quasiment mal portants. Et pendant ce temps, Ali Bongo lui-même, le responsable de ses comptes, il est assis chez lui, comme là, les Panthères étaient en train de jouer là. Il regardait le match avec les gens qui sont chez lui. Il regardait tranquillement les matchs. Pendant ce temps, il a fait tuer les gens sont morts, les gens ne regardent plus les matchs. Lui, il continue de regarder les matchs. Il continue de regarder les matchs. Il y a des choses que nous ne pouvons plus accepter. Il dit, nous avons combattu les hommes politiques, nous avons combattu les forces de sécurité et de défense. Et la justice aussi, vous avez une grande part de responsabilité dans tout le grand désordre qui s'est fait dans l'Ivoirie, qui s'est fait dans le Gabon. Il y a des gens qui sont en prison là qui avaient raison. Il y a des gens qui sont partis, que vous avez volontairement mis en prison. Moi, je me rappelle Jean-Rémy Yama. Vous le mettez en prison, pourquoi? Parce que Jean-Rémy Yama, ils avaient porté plainte à Noureddine. Pour vous, il ne fallait pas qu'on porte plainte au prince, au fils du roi. Et Jean-Rémy Yama, vous avez inventé tout ce que vous avez inventé pour le mettre en prison. Maintenant, aujourd'hui, parce que ce qui arrive aujourd'hui, vous ne vous attendez pas à ça. Vous n'avez même pas un peu imaginé ça dans votre tête. Vous n'avez même pas un peu imaginé que les militaires un jour prendraient le pouvoir. Jamais. Vous étiez là en train de dire, vous étiez là en train de faire en sorte, en train de faire comme si rien n'allait se faire. Rien n'allait se faire. Pourquoi Ali Bongo lui-même ne passe pas là-bas? Est-ce que vous savez qu'Ali Bongo ne doit pas avoir le même traitement qu'un Macky Sall qui a fait ses deux mandats, qui est parti et qui a organisé une élection, le champion a gagné? Vous savez ça? Parce qu'il y a des gens qui disent oh non, il jouit d'une immunité, machin, quelle immunité? Ali Bongo a été déposé. Ali Bongo n'a pas... C'est pas qu'il a perdu les élections et puis on lui a donné des garanties par rapport à la perte de cette élection, ou bien c'est pas que il avait fait ses deux mandats et puis il part. Non! Ali Bongo, il a été déposé. Il a fait ce qu'on appelle du forcing. Vous-même, vous avez vu dans quel état. Il commence par aller faire ses ficards. Aller se faire scruter médicalement avec je ne sais pas 3 ou 4 médecins. Après, il vient faire des photos pour montrer aux gens qu'il est en pleine forme. Il dépose son dossier et on valide, le CGE valide son dossier.
sachant bien que ce monsieur n'a pas sa tête entre les épaules. Le CGE valide son dossier. Il se présente aux élections, il commence à faire la campagne à travers le Gabon. Avec les machins, en train de crier, en train de... Voilà. Tout ça là, orchestré par... Là-dedans, il y a toujours les magistrats qui sont derrière. Mais Ali Bongo aujourd'hui ne peut pas bénéficier d'une faveur. Il a été déposé par les forces de sécurité et de défense. Ali Bongo n'a pas été... il ne s'est pas retiré lui-même. Il a voulu faire du forcing. Et ce sont les militaires qui ont mis fin à son forcing. Imaginons la pression que Jesse Elekoga avait mis au CGE. Si ça avait marché et que les militaires avaient dit, bon, ok, on laisse Ali faire ce mandat-là. Mais Ali serait au pouvoir jusqu'à présent. Ali serait au pouvoir. Et tous les gens qui font du bruit, là, les Babi, Libins et tout ça, là, ils seraient encore au gouvernement avec lui. Les Jesse Elekoga, qui a inventé une maladie depuis la prison. Mais il serait peut-être ministre aujourd'hui. Les magistrats devaient continuer à incarcérer les gens. Nous, là, on devrait être incarcérés. Si les militaires avaient dit, donnez à Ali Bongo, les magistrats allaient continuer à nous incarcérer. C'est pas sérieux. Une affaire de compte privé, vous dites que c'est Bla a puisé dans un compte privé d'Ali Bongo. Mais qui doit porter plainte? C'est Ali Bongo qui doit se plaindre. Que voilà, moi je pensais même qu'il avait puisé dans un compte de l'État. Mais un compte, est-ce qu'Ali Bongo c'est l'État gabonais? Ali Bongo c'est pas l'État gabonais. Donc s'il y a des gens qui doivent poursuivre Bla, c'est Ali Bongo. C'est peut-être, si c'est un compte avec sa femme, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui doit porter plainte. Mais curieusement, ce n'est pas Ali Bongo. On voit des gens qui se portent partie civile. Et là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Parce que nous, on a passé notre temps à crier sur les hommes politiques ici. On a passé notre temps à crier sur les militaires. Alors que vous, c'est vous qui orchestrez un certain nombre de désordres. Il y a des gens qui sont partis en prison aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en prison de par votre faute. Il y a beaucoup qui sont en prison là, qui n'ont rien fait. Mais simplement, on vient vous voir, oui, il faut m'incarcérer Jude. Il faut m'incarcérer tel. Il faut m'incarcérer. Il ne faut pas que ça continue. Aujourd'hui, le Gabon a changé. Moi, je dis au président, au prochain conseil de la magistrature, vous-même, vous avez les noms des magistrats qui n'ont pas joué un bon rôle. Vous les mettez dehors. Qu'ils se reposent. On fonctionne avec une nouvelle génération de magistrats. Les gars se sont lancés. Moi, j'ai ma soeur qui a des problèmes. Son mari a hérité d'un terrain. Son mari était le fils unique. Le fils unique de sa mère. Et sa mère a laissé un terrain de plus d'un hectare à son fils. Alors, un individu se lève, il s'en va à la NUTTC, un terrain ancestral. Un individu se lève, il s'en va à la NUTTC. Il s'en va signaler à la NUTTC. Et cet individu commence à partager les terrains. Et il commence à partager qui? Il partage les magistrats. Il partage les officiers généraux. Et mon beau-frère et ma soeur, ce sont eux qui étaient maintenant pourchassés. Convoqués à la DGR tous les jours. Convoqué à la PJ, convoqué au B2, convoqué au tribunal.
son propre terrain. L'individu est parti à la NUTTC. Il est allé dire à la NUTTC que c'est son terrain, tout ça là. Maintenant, il a commencé à vendre le terrain là aux magistrats, aux forces de sécurité de défense. Tout simplement pour que la procédure n'aille nulle part. À l'époque de la justice d'Ali Bongo, quel magistrat tu vas affronter? Quelle force de sécurité tu vas affronter? Voilà ce qui s'est passé. Master était fatigué avec son mari. Ma soeur était fatiguée avec son mari. Convocation sur convocation. Intimidation sur intimidation. Convocation sur convocation. Pourquoi? Parce que nous avons des gens véreux dans ce pays. Ce sont des comportements qui doivent partir. Je vois bien, les gens sont contents. Oui, on a enlevé Ali. Oui, mais on ne peut pas enlever Ali. Et puis vous gardez les mêmes méthodes qu'à l'époque d'Ali. Les mêmes méthodes qu'on utilisait. Hein? À l'époque d'Ali. On ne peut pas. On a enlevé Ali. On doit également enlever tous ceux qui ont joué un mauvais rôle pendant la gouvernance d'Ali. Que ce soit dans les forces de sécurité et de défense, que ce soit chez les magistrats. Parce que beaucoup aujourd'hui sont lésés. Il y a toujours, c'est-à-dire que tous les problèmes fonciers qu'il y a au Gabon, les magistrats sont dedans. Tous les problèmes fonciers qui sont au Gabon, les magistrats sont dedans. Vous vous rendez compte? Ce sont eux qui donnent aux étrangers. Ce sont eux qui donnent aux étrangers des astuces. Que il faut vous battre pour avoir la nationalité gabonaise. Une fois que vous avez la nationalité gabonaise, vous allez arracher les terrains à ces gens-là. Le monsieur est allé purger 5 ans de prison dans l'isoloir, en isolement, où tu ne vois, tu es en permanence assis dans le noir. Et tu as l'eau jusqu'aux chevilles. Tu manges dans l'eau, tu pisses dans l'eau, tu cabines dans l'eau, tu dors dans l'eau. Tu dors assis. Même pas que tu peux te coucher, non. Tu dors assis dans une cellule pendant 5 ans. N'est-ce pas une torture physique et psychologique? Hein? À cause de qui? À cause des choses d'Ali Bongo. Le propriétaire de la chose, on l'appelle. Vous ne voulez pas l'emmener au tribunal. Parce que vous voulez nous brandir quoi? Son titre d'ancien chef d'État. Mais il a été déposé. Ali Bongo n'a pas perdu l'élection ou bien il n'a pas terminé ses 2 mandats. Hein? Il a été déposé. Quand quelqu'un était déposé, c'est qu'il est dans l'inégalité. Il a été déposé. Donc il ne doit même pas jouir, il ne doit même pas jouir d'une liberté comme tous les autres. Parce qu'il a été déposé. Il était pris en flagrant délit de vol d'élection présidentielle. Et c'est une trahison. Il a été pris en flagrant délit de vol d'élection présidentielle. Parce que si les militaires n'avaient pas mis fin à son cinéma qu'il faisait avec sa young team, mais le gars serait aujourd'hui au pouvoir. Si les militaires avaient dit, bon, écoutez, on le valide, on n'a pas de choix, parce qu'on a reçu des balises. Mais le gars serait là encore, en train de faire le cinéma qu'il faisait là, avec sa femme et ses enfants. Il faut qu'Ali Bongo vienne justifier. On ne veut pas amener, le problème c'est ça, ils ne veulent pas amener Ali Bongo là-bas. Pour qu'il vienne dire d'où provenait l'argent qui était alimenté dans les comptes privés.
Pendant que nous, on cherchait l'argent pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, le bon monsieur avait de l'argent dans ses comptes pour qu'il soit toujours le deuxième président le plus riche d'Afrique. Il faut qu'on l'amène à là-bas. Moi, je crois que ça devrait être la condition sine qua non des avocats de Bla. Il faut qu'ils insistent là-dessus. Ali Bongo doit venir là-bas, puisqu'il paraît que c'est son compte dont on a pris l'argent. Maintenant, il faut qu'il vienne dire là-bas d'où lui provenait cet argent. C'est même pas qu'il faisait des dons avec cet argent ou bien il construisait rien. L'argent était là juste pour son confort. Juste pour son confort avec sa femme et son fils et ses enfants. Donc moi je tenais à prendre la parole ce soir pour fustiger ce comportement-là. Vous voyez dans quel état se trouve Bla aujourd'hui. Bla est atteint physiquement. Il n'y a que Dieu seul là qui puisse sauver ce gars. On ne sait pas ce qu'on l'a fait en prison. Est-ce qu'on l'a empoisonné en prison? Parce que quand on regarde, Bertrand Dibi a quand même fait 6 ans de prison. Mais vous avez vu Bertrand Dibi à la sortie. Bertrand Dibi n'est pas atteint d'un certain nombre de pathologies. Quand vous regardez Landry Washington qui a fait 5 ans de prison, quand vous regardez même les amis de Bla qui sont sortis de prison, de tout le groupe qui est rentré en prison, Bla est celui qui est le plus atteint. Bla est celui qui est le plus atteint jusqu'à ce que ses cheveux tombent. C'est pas sérieux? J'ai l'impression que ces gens-là ont dû empoisonner cet enfant-là en prison. Regardez tous les autres qui sont partis en prison. Oui, la Young Team a dû l'empoisonner. Et principalement les gens comme les Jesse et les Koga. Non, quand les gens sont voyous, il faut citer leur nom. C'est des voyous. Des voyous. On peut pas faire ça. Et un matin, on allait dire non, il est mort, il s'est donné la mort à la prison, machin. Entre-temps, ce monsieur, quand vous le regardez, vous sentez qu'il a été empoisonné. Et comme vous avez vu que depuis qu'il est sorti de prison, le poison qui a été inoculé sur lui, jusqu'à présent, il essaie de tenir. Vous venez encore, vous l'amenez encore à la barre pour venir répondre des histoires d'Ali Bongo. Et on vous dit, faites venir Ali Bongo lui-même. Vous refusez de venir d'amener Ali Bongo pour des confrontations. À quel moment il y aura des confrontations entre les Bongo et les non-Bongo? À quel moment? Parce que quand on voit la justice se comporter ainsi, on a l'impression que Ali Bongo a toujours de l'influence sur la justice. On a l'impression que son épouse, ses enfants. Donc le jour où ils vont être amenés à la barre, les magistrats auront même peur de poser des questions à Sylvia ou à Ali. Parce que vous ne pouvez pas continuer à faire du mal aux gens qui ont été victimes du mal d'Ali Bongo et de sa Young Team. C'est pas possible.
Moi, je dis le conseil supérieur à la magistrature qui va arriver là. Il faut, le président doit balayer tous ces gens-là. On connaît tous les magistrats véreux là. On doit vous balayer. Vous étiez content de nous voir s'attaquer aux militaires, s'attaquer aux hommes politiques. Et vous, vous étiez là. Vous étiez content. Puisque je voyais beaucoup qui me disaient, oui, je te suis, je te regarde, je te suis, je te regarde. Ouais, vous nous regardez. Mais pendant ce temps, vous foutez la mer. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui de par votre faute. Il y a des gens qui sont mal jugés aujourd'hui de par votre faute. Il faut que ça change. Si nous devons, si nous devons restaurer les institutions, la justice aussi doit être restaurée. La justice aussi doit être restaurée. Comme ça, beaucoup vont arrêter de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc voilà un peu mon message. Hein? Passez une bonne soirée.